Quand on prépare son séjour à Dubaï ou quand on prépare sa future vie à Dubaï, l'un des réflexes que l'on a tous, c'est aller voir des faits sur Dubaï, aller voir des informations sur Dubaï. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu plus détente et on va voir des fun facts, donc des informations un petit peu originales sur Dubaï. On est loin, voilà, je ne vais pas vous parler des voitures de police, des belles voitures de police, je ne vais pas vous parler non plus des distributeurs d'or. Là, c'est vraiment des fun facts que vous pourrez également peut-être vivre lors de votre séjour à Dubaï, que vous pourrez voir de vos propres yeux et que j'ai pu également voir de mes propres yeux. Premier fait, c'est un fait très connu. Le Burj Khalifa est la tour la plus haute du monde avec 828 mètres de hauteur. Mais saviez-vous que les habitants qui sont en haut de la tour, donc sur les étages les plus élevés, doivent attendre pendant le mois de Ramadan 2 minutes supplémentaires pour voir le soleil se coucher? Deuxième fait. Tout le monde sait que Dubaï, c'est l'été toute l'année, le beau temps, la chaleur toute l'année. Les mois d'été sont beaucoup, beaucoup plus chauds, juin, juillet et août. Deux faits à ce sujet-là. Premier fait, en juin, juillet, août, bien souvent, les résidents vont éteindre le chauffe-eau parce que les canalisations et l'eau qui sort des robinets va déjà être chaude. On utilise alors le chauffe-eau pour notre réserve d'eau courante froide ou en tout cas tempérée. Deuxième exemple, il arrive souvent, et en tout cas des entreprises proposent ce service, de vous faire livrer des barres de glace dans votre piscine pour refroidir l'eau. Troisième fait, l'île de Palm Jumeirah est la plus grande île faite par l'homme dans le monde. Elle est visible depuis l'espace. Quatrième fait, Dubai Miracle Garden est le plus grand jardin au monde qui compte plus de 50 millions de fleurs et 250 millions de plantes. Cinquième fait, l'eau que vous allez trouver dans vos robinets, que vous allez boire ici aux Émirats, pour la plus grande majorité, provient d'eau de la mer qui a été dessalée. Sixième fait, le gouvernement des Émirats Arabes Unis a un ministère du bonheur qui s'occupe justement du bonheur, de l'épanouissement de ses résidents et de ses habitants. Septième fait, il est moins cher d'acheter 1 litre d'essence qu'un litre d'eau. Huitième fait, dans la tradition arabe, dans la culture arabe, les courses de chameaux sont quelque chose de courant. Par le passé, on mettait des enfants sur ces chameaux pour faire les courses. Désormais, pour éviter de faire travailler des enfants, à Dubaï, en tout cas aux Émirats Arabes Unis, on met des petits robots sur les chameaux. Je vous essaierai de vous trouver une vidéo à ce sujet-là. Ces petits robots coûtent entre 3 et 10 000 dollars. Neuvième fait, un des clichés qui revient souvent à Dubaï, c'est le droit des femmes, quelle est la place de la femme. Sachez qu'aux Émirats Arabes Unis, dans le code du travail, est inscrit l'égalité des salaires entre hommes et femmes. Dixième et dernier fait, saviez-vous que les plaques d'immatriculation sont régulièrement vendues aux enchères? Plus le nombre est petit en général, plus la plaque est chère. Saviez-vous que la plaque numéro 1 a été vendue aux enchères à plus de 14 millions de dollars? Donc bien souvent, la plaque d'immatriculation est plus chère que la voiture elle-même. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle change un petit peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez en avoir une deuxième parce qu'il y a d'autres faits intéressants sur Dubaï. Il y en a même une infinité. Je serais ravie en tout cas de voir ça avec vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.